Pour la réalisation de cette salade chaude et originale, je vais d'abord préparer le coquelet. Pour ceci, retirez d'abord l'élastique, puis décollez du bout des doigts la cuisse. À l'aide du couteau, incisez la peau, puis décollez la cuisse. Coupez à la jointure de la carcasse. Réalisez exactement la même chose de l'autre côté. Bien évidemment, tout le désossage de cette coquelette peut être acheté directement tout fait auprès de votre boucher volailler. Pour les filets, coupez légèrement le dessous de la carcasse, puis fendez en deux le dos et suivez le bréchet. Le bréchet est la colonne vertébrale du poulet. Coupez la même chose de l'autre côté. Le restant de la carcasse peut vous servir pour réaliser un bouillon de volaille. Laissez la peau au filet de coquelet, mais retirez tout l'excédent de gras et les petits os qui auraient pu rester collés dessus. Pour les cuisses, les retournez, puis à l'aide d'un petit couteau, incisez sur les côtés des os et les désossiez entièrement. C'est très simple, l'os forme un L. Il suffit tout simplement de passer sa pointe de couteau tout autour. Sur les cuisses se trouvent de petits nerfs blancs. Attention à bien les retirer, non pas en les coupant, mais en les tirant vers l'extérieur. Dans une poêle chaude avec un filet d'huile, faites colorer l'ensemble du coquelet côté peau pendant à peu près 3 à 4 minutes à feu fort. Pendant ce temps, épluchez l'oignon rouge, le coupez en deux, puis l'émincez en fines lamelles. Ajoutez sur le coquelet les oignons rouges, puis assaisonnez de sel et poivre. Après avoir lavé la grappe de raisin, égrenez l'ensemble de la grappe et coupez les raisins en deux. Si vous souhaitez des raisins sans pépins, il vous faudra acheter du raisin vert du Chili. Ajoutez les raisins avec le coquelet et les oignons, puis retournez les coquelets grillés. Faites sauter soigneusement les oignons, le raisin avec l'ensemble des ingrédients. Déglacez au vinaigre de vin. Baissez le feu pour laisser mijoter 5 à 6 minutes. Coupez la ciboulette en gros bâtonnets, puis l'ajoutez sur le coquelet. Pour le dressage, utilisez le cœur d'une laitue, c'est-à-dire les parties les plus jaunes. Puis à l'aide d'une pointe de couteau, retirez les côtes. Bien évidemment, la salade a été lavée. Et pour un peu d'originalité, je vais dresser dans un moule à tagine, mais sinon vous pouvez dresser dans n'importe quel récipient creux. Pour deux personnes, je dresse donc l'ensemble du coquelet. Puis j'ajoute les raisins, les oignons, les brins de ciboulette. J'arrose de sauce. Et je termine avec un filet d'huile d'olive, juste avant de servir. Vous pouvez garder cette salade tiède en refermant tout simplement la tagine ou l'ouvrir et la servir comme ceci.